Bonjour, je m'appelle David Fournol et je suis ici pour vous parler d'un livre, qui est plutôt incroyable, qui s'appelle Le Club des Amis, qui est écrit et dessiné par Sophie Guérib. C'est un petit bouquin jeunesse, une petite bande dessinée jeunesse, qui a, on va dire, une particularité, drôle, intelligente, fantastique, merveilleuse, sublime, enfin bon, on pourrait trouver des qualificatifs comme ça encore pendant des heures. C'est une petite bande dessinée qui raconte l'histoire d'un ours qui s'appelle Tulip, et cet ours, eh bien, comme souvent les ours, ça leur arrive au moins une fois par an, eh bien, il va hiberner. Il est donc en train de chercher dans la nature qui est autour de sa grotte eh bien, des choses à manger, des bouts de bois, etc. pour passer l'hiver. Il va rencontrer un personnage un petit peu particulier, qui est un serpent, qui a décidé de s'émanciper un petit peu de sa famille et autres, et qui rencontre Tulip par hasard, ils vont devenir amis, ils vont même commencer à hiberner ensemble, et de là, il va se passer une multitude de choses, plein d'autres animaux qui vont arriver, et qui vont fonder le Club des Amis, tout le titre de ce bouquin. C'est un bouquin qui est, comme je le disais, drôle, intelligent, inhabituel. Ce sont des petites scénettes poétiques, philosophiques. Il y a quelque chose de très doux et de très tendre. Il y a une espèce d'hommage au non-sens absolu dans les histoires de Tulip. Alors, il faut comprendre que Tulip, c'est à la base plutôt un récit pour les un petit peu plus grands. C'est-à-dire que Tulip est une bande dessinée, toujours écrite et dessinée par Sophie Guérib, qui est une bande dessinée non plus pour les adultes, avec vraiment un rapport très philosophique et très poétique. Et en fait, ce Club des Amis, c'est tout simplement l'enfance de Tulip. L'autrice a voulu adapter plus pour les enfants eh bien, les aventures philosophiques de cet ours plutôt très malin. Le résultat, il est absolument incroyable. Tulip, que ce soit pour les petits ou pour les plus grands, est quelque chose d'à part dans la production de bande dessinée, que ce soit graphiquement, narrativement parlant, c'est quelque chose qui touche absolument les gens, c'est quelque chose qui vous amène à rêver, qui vous amène à prendre le temps, qui vous amène à vous poser 2 minutes pour lire et regarder ce qui se passe autour de Tulip. C'est de la bande dessinée qui est plutôt très contemplative, donc c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de lire, surtout par rapport aux enfants. Et ben, j'ai une chose à dire, voilà, lisez Le Club des Amis, c'est indispensable.